Georgie. What a nice boat. Do you want it back? Yes, please. You look like a nice boy. I bet you have a lot of friends. Three, but my brother's my best S. Where is he? In bed, sick. Bonjour à tous, c'est Elitique. Remontons aujourd'hui jusqu'aux origines du clown qui a traumatisé nombre d'entre nous, jusqu'à même traumatiser son acteur lui-même, et sur la série préquelle qui a été annoncée. Cette vidéo représente un énorme travail, alors si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je ne vous prends pas plus de temps, bon visionnage. Quand on remonte aux origines des clowns, nous pouvons remonter jusqu'au Moyen-Âge et même bien avant. Période durant laquelle tout roi possédait son bouffon, qui devait faire rire, distraire par ses attitudes et par son langage. Le bouffon, aussi appelé le fou ou la folle, avait un rôle important et était les seuls ayant le droit de se moquer du roi, ainsi que de la royauté. Son costume encore iconique de nos jours était parfois complété par un masque ou un maquillage permettant de renforcer son personnage. Au fil du temps, les bouffons devinrent des rôles dans des pièces de théâtre, devenus célèbres dans divers pays, la Commedia dell'arte pour les plus connus mais aussi en France, avec des noms comme Tabarin, Mondor ou encore Turlupin. L'origine des cirques remonte quant à eux à quelques milliers d'années, en Égypte et en Chine. Les premiers clowns de cirque, assez différents du clown de théâtre, est relativement récent et apparaît au XVIIIe siècle. Souvent là pour nous faire patienter entre les scènes, durant le spectacle, le clown est là pour rendre les gens heureux, les faire rire et leur redonner le sourire, les émouvoir, les faire réfléchir grâce à des gags, des bouffonneries ou des histoires et souvent orientés pour les enfants. Pourtant, si on fait un bond dans le temps jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens sont terrorisés à l'idée de tomber sur l'un d'entre eux. Dès 1940, année de la création du Joker, le clown fou qui mène la vie dure à Batman et étant connu pour ses très nombreux crimes horribles, comme celui d'avoir tué Robin ou d'avoir rendu tétraplégique Batgirl, ou encore les centaines de victimes du roi de Gotham, sera les premiers pas qui va détériorer l'image du clown. Durant les années 70, une autre série d'événements, mais cette fois malheureusement véritable, va se dérouler aux États-Unis, va lui aussi commencer à corrompre l'image du clown. John Wayne Gacy Jr., aussi surnommé Pogo le clown ou encore le clown tueur, inculpé pour meurtre de 33 jeunes hommes, est surnommé ainsi pour son habitude qu'il avait de se déguiser en clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux. C'est l'un des tueurs en série les plus connus aux États-Unis. Il sera condamné à 21 condamnations à perpétuité et 12 condamnations à mort pour le viol, la torture et le meurtre de 33 jeunes hommes. Mais c'est véritablement en 1987, avec la sortie du tome 1 de Ça par Stephen King, reconnu pour être l'un des livres d'horreur les plus terrifiants de l'auteur, que le clown devint une des figures de l'horreur. Le livre dans lequel 7 enfants, le club des ratés, luttent contre une entité maléfique extraterrestre, prenant l'apparence de leurs peurs les plus profondes et se présente plus généralement sous la forme d'un clown qui se fait appeler Gripsou. C'est en 1978, alors qu'il vit à Boudler, Stephen King passe sur un pont de bois, tandis qu'il marche dans la campagne au crépuscule, et se met à penser aux trolls vivant sous les ponts et à la façon d'écrire une histoire sur le sujet. Ses idées reviennent régulièrement le visiter au cours des 2 années suivantes, jusqu'à ce qu'il se dise que le pont pourrait être un symbole de la ville de Bangor, et que le troll vivant dessous aurait donc son repère dans les égouts. Puis King, en se remémorant son enfance à Stratford,
se souvient de la bibliothèque où la section des adultes et celle des enfants étaient reliées par un étroit corridor, et que ce corridor symbolise le passage de l'enfance à l'âge adulte. 6 mois plus tard, il trouve finalement comment écrire un livre sur le sujet, en entremêlant l'histoire d'un groupe d'enfants et celle des adultes qu'ils sont devenus. Il commence alors à écrire ça, le 9 septembre 1981, et achève son roman le 28 décembre 1987. 2 tomes permettront de venir à bout de l'histoire. Ces 2 romans sont complexes et, contrairement au film, entremêlent le passé lorsqu'ils sont enfants, après la mort de Georgie, et 27 ans plus tard, durée d'un cycle de réapparition pour le monstre, lorsque Mike rappelle tout le monde qui vit sa vie loin de la petite ville fictive de Derry pour accomplir leur promesse de tuer le clown quand il reviendra. Pourtant, dans les livres, le clown n'est qu'une des multiples formes adoptées par l'entité, et contrairement au film, le livre ne s'attarde que très peu sur la figure du clown. En 1990, une mini-série en 2 parties réalisée par Tommy Lee Wallace, première adaptation du roman de King, sort à la télévision avec dans le rôle du clown Tim Curry. Si aujourd'hui cette version peut faire sourire en la voyant, avec ses effets spéciaux vieillots pour certains, et son clown peu voire pas effrayant comparé à la nouvelle version de 2017, il n'en est rien. Cette version, en 1990, a développé la coulrophobie, la peur des clowns chez beaucoup d'enfants de l'époque. Les 2 versions du clown de 2017 et 1990 ne sont pas comparables car les versions du clown sont vraiment différentes. Dans la mini-série, Gripsou n'apparaît pas seulement pour tuer des enfants, il joue beaucoup sur la psychologie, il s'amuse, agit comme un véritable clown. En 1990, aucun enfant ne se méfierait d'un clown d'apparence normale qui te fait des blagues. Pennywise apparaît en public, agit normalement, faisant des blagues et passe inaperçu aux yeux des autres, les adultes qui ne le savent pas. Là où aujourd'hui, n'importe quel enfant qui voit la version de Skarsgård dans les égouts s'enfuit en courant, alors qu'à la version de Curry pourrait attirer les enfants par son apparence sympathique. Les époques étant différentes, il est impossible de comparer. Les codes ne sont pas les mêmes. Et pourtant, la version de Curry passait à la télévision sur les chaînes tout public, une époque où il n'y avait pas de sang ou de scènes réellement gore. Les enfants n'étaient pas habitués et ne se doutaient pas de ce qui les attendait avec Gripsou, le clown qui ressemblait vraiment à un clown. Aujourd'hui, on est de plus en plus jeunes habitués à tout cela, les enfants ont beaucoup plus difficilement peur. Et là où la version de Curry a véritablement traumatisé une génération d'enfants en 1990 et a fortement participé à la peur des clowns, la version de Skarsgård, bien qu'excellente, n'aura pas eu le même effet. C'est en 2017 que Andrés, ou Andy Muschietti, nous livre sa version cinématographique de l'histoire de ça, à travers un long métrage d'horreur nous racontant l'histoire de 7 adolescents ayant du mal à s'intégrer qui vont combattre une entité qui prend l'apparence d'un clown. Ça. Si ce reboot est un franc succès, c'est en grande partie grâce à l'interprétation terrifiante de Bill Skarsgård dans le rôle de Gripsou le clown. Durant le tournage, Skarsgård a causé la peur de leur vie à de nombreux enfants figurants. Certains étaient intrigués mais ne pouvaient pas me regarder plus longtemps, alors que d'autres tremblaient. Un gamin a commencé à pleurer. Le réalisateur a crié « Action !» et quand il dit ça, je deviens totalement le personnage. D'autres enfants ont été terrifiés et se sont mis à pleurer en plein milieu de la prise. Et là, je me suis demandé ce que j'étais en train de faire. Et je faisais quelque chose d'horrible. Pour que les réactions des enfants sur le tournage soient les plus réalistes possibles lorsqu'ils rencontrent Gripsou pour la première fois, le réalisateur a volontairement séparé Bill Skarsgård du reste du casting. Lors de la première scène tournée, la scène où Eddie est confronté au clown dans le manoir de celui-ci, les enfants du club des ratés découvraient l'apparence du clown. Bill s'inquiétait même pour l'acteur, Jack Dylan Grazer, mais le jeune comédien lui rétorquera qu'il adore son personnage. Bill Skarsgård semble amusé de faire peur à des enfants, il plaisantera même sur le fait qu'il espère que sa performance aura traumatisé bon nombre d'enfants de 10 ans, la suite le fera moins rigoler quand c'est lui qui sera en proie au clown. Bill Skarsgård nous livre une prestation quasiment parfaite du clown de Derry, terrifiant en plus des enfants sur le tournage, des millions de spectateurs à travers le monde, rendant la phobie des clowns encore un peu plus présente que jamais après la version de 1990. Mais jouer un clown sanguinaire nécessite beaucoup de travail et n'est pas sans conséquences. Et Bill Skarsgård l'a découvert à ses dépens. L'histoire nous a montré que les clowns, antagonistes dans leurs films, rôles complexes, fous et terrifiants à la fois, demandaient à leur acteur un travail tout particulier pour se mettre dans la peau du personnage.
Pour son rôle du Joker dans The Dark Knight, Heath Ledger s'est enfermé pendant des semaines dans une chambre d'hôtel, des mois avant le début du tournage, n'ayant même pas eu connaissance du scénario du film. Il tenait un journal intime où il indiquait toutes les idées sombres qui lui passaient, en les transformant en fantasmes de son personnage. Son père indiquera que Heath se plongeait toujours dans ses personnages et que cette fois-ci, il l'avait pris trop à cœur. Sur le tournage, ce n'était pas Heath qui jouait, mais le Joker, c'était le Joker en personne. C'est ainsi que l'acteur jouant Alfred en oublia sa réplique en le voyant, que Christian Bale jouant Batman fut obligé par l'acteur de lui mettre des vrais coups, ce dernier ricanant à chaque coup reçu. Bale le dira, « Heath est arrivé et a totalement ruiné mes plans, il était tellement plus intéressant que moi et ce que je faisais. » Malheureusement, quelques mois avant la sortie de son film, en janvier 2008, Heath Ledger décédera à l'âge de 28 ans, non pas à cause de son rôle comme certains veulent le faire croire, mais à cause de son addiction aux médicaments et due à une overdose. Il aura tout donné pour son dernier rôle, rôle parmi les plus convaincants de l'histoire du cinéma, qui lui vaudra un Oscar post-mortem en 2009. Si Bill Skarsgård a si bien réussi son rôle, c'est notamment grâce à son implication dans le personnage. Son objectif en jouant son rôle était de traumatiser des enfants. Comme vu si tôt, cela est réussi. Les enfants sur le tournage sont terrifiés et le film est interdit aux plus jeunes. Néanmoins, ce qu'il ne s'attendait pas, c'est d'être lui-même hanté par Pennywise. Interrogé par Entertainment Weekly, l'acteur raconte. Je compare toujours les personnages que je joue à une relation. Pennywise et Bill, il parle de lui-même, sont ensemble dans cette relation. J'essaye de comprendre qui il est et je dois consacrer beaucoup de temps et d'efforts à cette personne, ou plutôt cette chose dans ce cas, et ça continue pendant des mois. C'est comme être dans une relation destructrice. Les gens ne se rendent pas compte avant d'en être sortis. Tous vos amis vous disent, tu dois te débarrasser de cette merde, il est en train de détruire ta vie. Et c'est une fois que vous en êtes débarrassé que vous réalisez, j'étais si misérable. Et c'est le cas de le dire. L'acteur était véritablement ancré dans la peau du personnage, ce dernier semblait également très présent dans son inconscient. Comme il le dit lui-même, c'est comme si le clown était une seconde personnalité, une personnalité avec qui il devait partager son corps, comme une part intérieure sombre. Et cela se confirmera car d'après le comédien, même une fois le tournage terminé, Pennywise continuait de le hanter. L'acteur était pressé de pouvoir se débarrasser de son personnage qui le rongeait de l'intérieur. Après avoir terminé le tournage, j'étais dans ma maison d'enfance en Suède, assis en train de prendre un café avec ma mère à la table de la cuisine, et je me suis rendu compte. Oh bon sang, je n'ai plus à m'occuper de cette relation. C'était un changement très rapide et je me suis vite senti mieux. J'ai comparé ça à un exorcisme. Il sortait de mon corps et je me débarrassais des toxines Pennywise. Pourtant, cela ne s'est pas passé comme prévu, et même après ça, Gripsou a réussi à revenir le hanter. J'étais à la maison, j'en avais terminé avec le film, et j'ai commencé à avoir d'étranges mais réels rêves avec Pennywise. Toutes les nuits, il venait me rendre visite, soit il apparaissait en solo, soit c'était moi qui l'incarnais, dans des circonstances que je n'appréciais pas. Il a ensuite, dans une autre interview pour CBR, donné des exemples de rêves. Les rêves étaient absurdes. Parfois, je rêvais que je me promenais dans Stockholm, et je me disais « Non, ils ne peuvent pas me voir comme ça. » J'étais bouleversé. « Ils ne peuvent pas me voir me promener avec tout ce maquillage. » Et puis, il y avait d'autres rêves. Des rêves où je voyais Pennywise qui me fixait. En 1989, le club des ratés composé de 7 enfants a réussi à échapper à ça, une créature métamorphe dévorant les enfants de Derry. 27 ans plus tard, Bill et ses amis reviennent à Derry à la suite de l'appel de Mike pour à nouveau combattre le sinistre clown qui s'est réveillé et recommence à se nourrir d'enfants. Lorsqu'ils revinrent à Derry, ils découvrent la véritable histoire de ça et vont, comme dit dans leur pacte 27 ans plus tôt, l'éliminer définitivement. Durant le combat final contre la source du mal, dans une caverne sous les égouts, ou Vissa, le groupe réalisera le rituel de Chud qui échouera. Eddie se fera empaler en sauvant Richie et ils arriveront finalement à vaincre ça en affrontant leur peur et en dénigrant le clown. Ils finiront par rendre le clown tout petit et lui arracheront le cœur, mettant fin aux vagues de disparition qui sévit tous les 27 ans à Derry. Ça, chapitre 2 sera lui aussi un carton commercial, 1,5 million d'entrées en France contre 2,2 millions pour le chapitre 1. Stephen King, qui a adoré le premier film, fera même une apparition dans le film, jouant le rôle du vendeur qui vend son ancien vélo à Bill. Si le film d'une durée conséquente de 2h49 arrive à nous convaincre, un point reste un peu brouillé, les origines du clown. Bien que le film aborde le sujet, avec un seul visionnage, il n'est pas simple de comprendre d'où il vient, ce qui est réellement le rituel de Chud et les lumières mortes. Mais avec l'annonce de la série préquelle nommée Welcome to Derry, nous arriverons peut-être mieux à comprendre pour les personnes qui n'ont pas lu le livre, les véritables origines de Pennywise.
D'ailleurs, faites-le si vous avez adoré les deux films. Les deux livres sont géniaux. Alors que l'on pensait que tout était terminé avec les deux chapitres de l'histoire de ça, sorti au cinéma, il y a quelques mois, le 30 mars 2022, soit presque 3 ans après la sortie du deuxième chapitre, Variety rapportait que la plateforme de streaming HBO Max était en train de développer une série spin-off nommée Welcome to Derry, qui reviendrait sur les origines du mal qui sévit dans cette ville. On ne sait pas encore grand-chose de la série, mais on sait qu'elle sera un préquel, ce qui veut dire qu'elle se déroulera avant les deux films ça, qui débutera dans les années 60. Pour restituer les événements, la disparition de Georgie aura lieu qu'en 1988, le film ça chapitre 1 durant l'été 1989, et le chapitre 2 en 2016, puisque Gripsou revient tous les 27 ans pour se nourrir avant de replonger dans un cycle de sommeil. Et si on soustrait 27 à 1989, on obtient 1962, donc en plein dans la période de la série préquelle. La série nous montrera donc le commencement du mal qui sévit à Derry, ainsi que l'origin story de Pennywise. Pour rappel, on apprend rapidement dans le chapitre 2 que le clown est en fait une entité extraterrestre métamorphe très ancienne qui est arrivée sur Terre et qui prend souvent la forme d'un clown pour cibler des enfants, car ils sont plus faciles à éliminer. La forme d'araignée vue en fin du deuxième chapitre est la représentation la plus proche de sa forme réelle que l'esprit humain puisse comprendre et concevoir. Sa véritable forme provient en fait des lumières mortes et ne peut être comprise par nous, humains, car notre esprit est trop limité. Dans les romans comme dans le film, bien que pas la même année, le club des ratés parvint à vaincre et tuer l'entité en extrayant son cœur. Dans le livre, ils détruisent aussi les œufs que ça a pondus, et Derry est ravagé à l'état de pourriture avancée. Mais comme vous le savez peut-être, les œuvres écrites par Stephen King sont en fait un univers commun, et les livres sont connectés entre eux avec en son centre le livre La Tour Sombre, qui a aussi eu son adaptation en film. J'ai très envie de vous faire une vidéo sur le sujet et sur l'univers connecté de Stephen King, dites-moi en commentaire si cela vous intéresse. Bref, dans des romans sortis après, par l'auteur, des éléments nous laissent entendre que Pennywise n'est pas mort. Dans le roman Dreamcatcher, sorti en 2001, le personnage de Mr. Grey se rend à Derry et y découvre une plaque commémorative de la tempête de 1985, vandalisée sur lequel on a écrit « Pennywise lies, Gripsou vit ». Dans le roman Les Tommy Knockers, il est dit qu'un personnage crut voir dans les rues de Derry un clown émergeant d'une bouche d'égout avec des dollars brillants à la place des yeux et tenant dans sa main toute une grappe de ballons de couleur. Ou encore dans le roman Insomnie, 1994, le personnage principal semble voir les lumières mortes dans le ciel de Derry. Il comprit également que s'il regardait trop longtemps cette lumière, ces tourbillons de couleurs mortelles, la mort, loin d'être la pire chose qui pourrait lui arriver, serait au contraire la meilleure. Il ne se contenta pas de fermer les yeux, il ferma aussi son esprit. À voir comment la série choisira de raconter tout ça, on sait que Andy Muschietti, qui a réalisé les deux films de 2017 et 2019, sera le producteur exécutif de la série en compagnie de sa sœur Barbara Muschietti et Jason Fuchs. Et ce dernier, Jason Fuchs et Brad Caleb Kane, semblent avoir été nommés par Warner Bros. Comme co-showrunner. Néanmoins, beaucoup de questions restent en suspens. Est-ce que Bill Skarsgård reprendra son rôle de clown? On espère vraiment pour le bien de la série. L'acteur a déclaré être prêt pour reprendre son rôle. Il y a un aspect intéressant de remonter dans le temps avant que tout cela ne se produise. Il pourrait y avoir une histoire qui mériterait d'être explorée. Évidemment, ce serait une histoire qui n'est pas dans le livre, et ce serait une histoire autonome, mais évidemment dans le même univers. Donc il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant. Je pense que ce serait amusant. Quand cela sortira-t-il? Y aura-t-il plusieurs saisons? Combien d'épisodes? Quand cela va sortir? Bref, je vous referai une vidéo quand nous en saurons plus sur cette série qui s'annonce très intéressante. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Le travail que j'ai réalisé sur cette vidéo est assez conséquent et m'a pris beaucoup de temps. Avant de partir, pour me soutenir, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et ce que tu veux voir pour la suite. Ça aide beaucoup pour le référencement. Si tu veux m'aider encore plus, tu peux partager la vidéo à tes proches ou sur tes réseaux. Sur ce, à bientôt.